fatiguée? Ah si, je suis complètement raide. T'es rentrée tard? Ouais, vers 8h du matin, là, donc je suis vraiment fatiguée. T'as été où hier soir? J'étais à Berlin, je suis allée mixer à Berlin, et puis avant j'avais un goûter d'anive en fait, donc voilà. D'accord, t'étais à Berlin hier et t'as fait l'aller-retour entier aujourd'hui? Bah ouais, en avion en fait maintenant, donc voilà. D'accord. Mais écoute, maintenant qu'on a signé un partenariat avec un label nord-américain, tu vois, les ventes commencent à décoller, donc... Ouais, ça change les perspectives. Ah bah ouais, tu peux y aller. Mais il manque pas quelqu'un? Il me semble que Rose devrait être là aussi. Ouais, elle arrive. Bah, elle est à son cours de yoga. Une fois qu'elle a fini, elle vient ici. Bah, je vous ai préparé un petit quelque chose. C'est quoi le programme que tu as préparé ce soir? Je vous ai concocté une petite série de films. Bah, en fait, quand tu nous avais dit que c'était un lieu isolé ici, on s'est dit qu'on allait prendre des films d'horreur. Mais d'ailleurs, je me demandais comment t'as trouvé cet endroit? Ah bah ça, c'est un petit bungalow de montagne, en fait c'est à nous. Mmh. Puis c'est pour ça qu'on vous a invité ici, parce qu'on voulait vous faire découvrir un peu l'ambiance de la montagne. Mais c'est quoi ça? Ça parle de quoi les films que tu veux nous montrer là? Je peux vous donner un petit avant-propos, le titre du film par exemple. Ça s'appelle Soirée mortelle. Dis pas tout, on va leur laisser la surprise. Il faut qu'ils sachent un peu comment va se dérouler la soirée. Ouais non mais... Bon bah si à la limite on peut pas en parler, on pourrait commencer à regarder non? Mmh. Bah ouais. Mmh. Vous avez déjà commencé à regarder? Bah, je sais pas, il m'engrose là. Faudrait peut-être qu'on regarde quoi. Ouais. Tu veux pas l'appeler? Bah, je vais sortir l'appeler. Et puis, je pense qu'elle s'est perdue en route là. J'arrive. Non, parce qu'il faut qu'on regarde, faut qu'on s'organise pour la soirée. Bah, ouais, franchement, moi je crève de faim, Matos. Donc, je sais pas si tu peux commencer à faire un truc à manger, ce serait cool quoi. Bah, si oui, je peux commencer à préparer les entrées, y'a pas de soucis. Ouais, bah, tu concoctes quoi pour ce soir? Ah, l'entrée c'est une surprise, vous verrez. Par contre, après y'aura du bœuf. Ah, cool. Ah, j'espère que vous aimez. Bon, bah, je vais commencer à préparer. De toute façon, le temps qu'elle arrive, Rose, vu où on est, c'est pas prêt qu'elle va être. Ouais, t'as raison, moi je vais profiter d'aller pisser. Comment ça va? Ça va, le boulot, ça a été hier? Oui, bah ça va. Enfin, là, on a plein d'animaux malades. Ah ouais? Et, oui, il y en a un qu'on a dû mettre en quarantaine. Oh mince! Donc, on a peur que les autres soient contaminés. Ah ouais, c'est le gros truc. Ouais. On a des stagiaires là, qui restent pour le week-end. Ouais, mais toi, tu vas devoir aller bosser ou? Bah, si on m'appelle en urgence, oui, mais bon, j'espère pas. Hein. Ah bah non, au moins que tu puisses profiter, quoi. Ça gâcherait le week-end, sinon. Bah ouais. Et d'ailleurs, ils sont où, quoi? Ils sont tous taillés ou quoi? Ouais, ils sont tous partis. Bah, super. Franchement, moi, je suis tellement fatiguée, j'aimerais bien me coucher, ouais. Quoi, mais bon. On va aller voir. On va aller regarder où ils sont, quoi. Je vais aller voir si par hasard ils sont pas dans la chambre. Ouais, moi je vais aller voir dehors en attendant. Ouais, t'es où? On t'attend tous là. T'es sur la route? Ok, ouais, bah tu suis la route que je t'ai indiquée. Voilà, exactement. Tu continues, tu vas tomber sur une villa avec un grange à côté. Et à gauche, un petit chemin qui monte. Eh oh, y'a quelqu'un?
vous a plu? C'est passé quoi? T'es violent, hein? Prenons, hein, on se croit dedans. C'est passé quoi? C'est réaliste, c'est du cœur. Soirée mortelle. Ah ouais? Comment toi? Ça va? Waouh! Je vous ai même préparé la suite. Si ça vous plaît. Quelqu'un qui veut? Ah non, merci alors. Hein. Bonsoir. Bonsoir! Salut. Je m'excuse pour le retard. Le prof de yoga nous a tués aujourd'hui, je suis raide morte. Non mais enlève pas ta veste, on s'en va, parce que des soirées comme ça, on n'en veut plus. Moi je suis fatiguée, je vais me coucher. Bon, ça sera sur moi non plus. Sur ce coup-ci, chouchou, je te comprends pas, je te suis pas, je vais déjà ranger les affaires. Oui, c'était vraiment nul ton jeu, hein. Alors moi je me serais bien fait une partie, mais là c'est un peu tard, hein. Peut-être un autre jour. A plus. Donc voilà ma nouvelle invention. Un petit réglage. Vous êtes prêts? C'est parti!